Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai hésité entre la garder pour moi par peur des regards ou la confier à mon amie Louise. On s'est rencontrés jeunes. Nos parents se connaissaient d'avant. Avec le temps, nos liens n'ont fait que se renforcer. Seulement, elle est restée dans le sud-ouest pour faire ses études et moi, j'ai dû rejoindre la capitale pour faire les miennes. Vivre de la danse m'a toujours paru comme une forme de privilège. Je vis de ma passion, je rencontre des gens qui m'inspirent et je peux me divertir ou faire rêver ceux qui veulent bien regarder. Quand j'ai appris que j'étais atteinte de la maladie de Charcot, j'ai rejeté la nouvelle. Je comprenais pas ou alors je voulais pas comprendre. J'étais dans un déni profond. J'essayais de pas y penser, mais ça revenait plus fort. Avec le temps, la maladie m'empêchera de danser, me volera mon aisance, ma souplesse et mon métier. Il faut que je prenne l'air, que je change. Que je revoie celle avec qui tout paraissait plus simple. Et toi, comment ça va? Je sais pas trop. En vrai, ça me fait peur. Même professionnellement, dans ma vie, enfin, ça va être un gros changement, quoi. Et heureusement que je suis là. Heureusement que t'es là. Et aussi d'avoir ma famille. Enfin, tout prend un sens aussi. Mais je me pose plein de questions de comment danser maintenant, mais plus avec le corps. Et comment je vais faire pour continuer à danser. Et ça me fait peur, mais j'ai pas envie que ça m'abatte, tu vois, pour autant. Et on verra, je me pose plein de questions. Je sais pas si lui avoir dit tout ça, ça m'a soulagée ou ça m'a fait du mal. En tout cas, maintenant, elle le sait. Et c'est ce qui compte. C'est comme si confier quelque chose à quelqu'un, une douleur, ça nous permettait de pas pleinement la gérer nous-mêmes. Ou du moins en être moins responsable. Je sais pas ce qu'en pense Louise, on n'en a jamais reparlé. Enfin, à vrai dire, je pense qu'elle a vu que je voulais pas en reparler. On a essayé de faire comme si de rien n'était, comme si tout était comme avant. Comme si je lui avais rien dit. On a continué nos habitudes. On a parlé, rigolé, on a pensé. On a marché, on s'est retrouvés. Et j'ai redansé aussi. Je sais pas où tout ça va mener. Une maladie, c'est quelque chose d'irréversible, une lutte perpétuelle. Au début, tu t'enfermes dans tes tourments, tu combats l'invisible et c'est souvent assez violent. Et avec le temps, certaines réponses apparaissent. Tu commences à connaître et à comprendre l'acceptation. Finalement, la maladie, c'est aussi une forme de renaissance. Apprendre à vivre autrement, à voir les choses autrement, à danser autrement. S'attacher aux petites choses, aux détails. En tout cas, j'essaie de m'en persuader.